Bon, là, je commence à me gourer de couleurs, donc... Ah, ça, c'est jaune, effectivement. Oh! Ok. Après, la rouge, du coup, il faut que je la récupère pour la mettre dans une autre temporalité. Il faut que je la mette en 1951, la rouge. Oh, let's go! Bien joué. Bravo. Bien joué. Le bleu, le jaune. Waouh, j'ai eu trop peur. Heureusement que vous êtes là. Merci Link, hein. Merci beaucoup pour ton abonnement. 6e mois, 6 mois on rigole. Viens regardant tes lives, ça fait plaisir. Merci Yon aussi pour ton 17e mois d'abonnement. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'avais écrit? Putain. Non, non, c'est pas la bonne. De toute façon, ça va dire quelque chose si je mets la bougie jaune. Très bien, je me sens rassurée. Et merde. Là, c'est là où il y a le clocher, non? Ouais, voilà. J'aurais peut-être dû prendre en photo, du coup. La couleur de la mort, la couleur du vin, la couleur du sang de Jésus. Donc lui, c'est rouge. Ah, ça confirme peut-être la couleur de la vie, la couleur de la paix, la couleur de notre petit ange. Vas-y, on va switcher d'époque, hein. Je sens pas ça. Allez, on switch d'époque. Oh, mais il y a l'autre fou qui va nous courir après. Comment j'ai intérêt à tracer ma race? Je sens pas du tout. Hein. Je vois rien. Mais non. Ok, il y a une sauvegarde. Merci beaucoup, Rare. Il y a le mec qui va arriver. Je le savais. Oh putain! Il y a une sauvegarde, il y a une sauvegarde. Non mais attends, c'est de pire en pire là. Mais what? Mais de toute façon, comment tu veux le... Ne pas avoir affaire à lui. Ok, il me reste qu'une seule bougie à mettre ici. Oh mais c'est horrible sa séquence à lui, hein. Non mais c'est méga creepy. Je boitais comme ça tout à l'heure ou pas? Je sais même plus si c'est par là. Ok, et là faut vite que j'aille en rouge.
je me barre vite dans le rouge, de toute urgence. C'est trop de stress, hein. Mais j'espère que je vais avoir le temps d'aller au rouge. Ah, enfin. On se casse de cette temporalité de merde. Couleur jaune. Oh là là. Je suis pas sûre que la photo ça marchait des masses avec le mec, hein. Comment je suis tendue. Oh, c'est horrible. Bon, on va bien la trouver, cette maudite jaune, là. Apparemment, c'est pas là. Oh non, mais c'est où? Mais... Me dites pas qu'il faut retourner en 51 avec Martin. Ne me dites pas ça. Oh non, c'est en 51. Sérieux? C'est vraiment en 51 avec Martin? Mais non. Oh, comment je suis écœurée. Oh non, faut retourner avec Martin. Putain, mais c'est un con, Martin. J'ai aucunement envie de revenir avec lui, là. Oh, mais 51, c'est vraiment le chiffre du chétan, hein. Comment je vais faire? C'est bon. Barrons-nous. La cloche, en quelle année qu'il faut que j'aille voir? Je sais plus l'année. Non, je crois que c'est l'année actuelle, c'est 87, je crois. Qu'est-ce que je fais? C'est au démarrage. Putain! Tiens, là, je te prends en photo bien trop tard. Allez, la photo, connard! Oh là 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 là. Cheese! Oh! Le clocher, vite! J'y vais! Courir au clocher. Oh la vache, j'en peux plus, hein. Confession... Oh, le confessionnel, c'est en 51. Oh, le confessionnel, c'est en 51. Oh non. Il faut retourner voir Martin. Ah, c'est plus possible. Le confessionnel est en 1951. Ah, c'est l'angoisse. Bon, bah, on y va. Je te dise. Mais j'en peux plus, moi, de cette séquence. Arrêtez, hein. C'est trop, hein. Donc là, il faut que j'aille dans le confessionnal. Il va me fumer. Il va me fumer, l'autre.
tel un sourire, hein, ça va mettre 2 secondes. Hein. Le professionnel est juste là. Prends ton temps surtout, hein. Prends ton temps, hein. Hans. Ok. Boring. Ah bah ça c'est pour la tombe. Me casse. C'est pour le cercueil. Ah, là le cercueil. Madison Hill. 1944. Oh là là. Oh, je vais me prendre Martine, c'est sûr. Putain, il y a Martine qui va être dans la place, ça c'est sûr. Is this her skull? Oh là là, j'ai tellement envie de fermer les yeux. Oh, je veux les plisser un peu, ça va me faire du bien. Oh, j'ai tellement envie de fermer les yeux. Ah, je vais prendre tarif. Ouais, j'ai photo illimitée, clairement. Oh non. Bricks. Ah, c'est fait exprès pour que je me retourne. Oh là là. C'est pas possible. Je déteste ce type. Putain. Oh non. Sealed off. Mais attends, ils se foutent de ma gueule, là. Ah, c'est fait exprès, hein. C'est complètement fait exprès, hein. En fait, ils te font faire des allers-retours pour qu'après, tu manges bien tes grands morts, là. Y'a quelqu'un? Oh, non. Ah, j'ai envie de fermer les yeux. Ça clignote de plus en plus, la musique. Le son ne me dit rien qui vaille. On va prendre tarif là. What? Y'a plus de porte. Oh là là. Ta gueule. Oh merci Paul pour ton 7e mois d'abonnement. C'est gentil. Merci beaucoup. Le marteau, je peux pas? Oh, oh, oh bah ouais mais non. Oh les salauds, en fait dès qu'il y a le mec il faut que je fasse demi-tour. Dès qu'il y a le gars faut que je fasse demi-tour. Oh c'est dégueulasse. Est-ce que ça me refait faire depuis le début ou pas? Oh non. Ah ouais ça me refait faire depuis le début. Prends-le en photo aussi, ah ouais. Mais je savais pas que tu pouvais te faire chase dans ce jeu. C'est horrible. Depuis quand tu peux te faire choper dans le jeu? Attendez, il y a une mise à jour entre temps ou j'ai raté des épisodes? Sans déconner. C'est horrible. Ok. Là, il y a ça. Après, il n'y aura plus de porte. Et dès qu'il n'y a plus de porte, après, il va être là. Et là, il faudra que je tape mon meilleur sprint. Mais c'est chaud de ouf. Ta gueule. Je pense qu'il faut l'esquiver, Justin. Merci beaucoup, Fabs. Ouais. Merci infiniment. Oh là là, c'est là. Ouais, le temps de taper une photo, je pense pas. Mais on va voir. Oh, j'ai tapé le meilleur sprint de tous les temps. J'ai un crâne, une pelle cassée, un marteau à l'appareil photo. Ah, c'est le crâne de Madison. Ah bah oui, non mais je suis bête. Oui, on a ouvert son... Oui, forcément. Oh. Oh, les problèmes.
Oh, j'ai tapé mon meilleur sprint, les gars. Ce jeu, sans déconner, c'est quelque chose. En termes de stress, c'est quelque chose. J'ai cassé ma pelle. Attends. J'ai cassé ma pelle là où il y avait le... Oui, c'est pour ça que je cherche le téléphone. John, this is the fourth time I've tried to call you. Priest Thomas speaking. Prêtre Thomas. I was able to finally get the information you asked for, and the truth is, I'm worried about your family. Generally speaking, demons try to complete simple rituals to break the bondage of their souls. To carry out this ritual, you must rid yourself of an object with important sentimental value to you. Offer it as a sacrifice. There were practitioners of witchcraft who became haunted as a result of their thievery and dishonesty. They used to steal jewelry from ancient dynasties as to avoid performing the sacrifice directly for themselves with their own sentimental objects. They bought the sacrifice with the emotions of others. But this perverse being is trying to go beyond even that. We are speaking of an ancient ritual. Which very little is known. Seven sacrifices. Seven mutilations. Seven. I believe we are facing a body exchange type of ritual. Échange de corps. Madison Hale was trying to complete such a ritual before she was murdered. And now she is forcing your child to finish it for her. She is trying to steal your son's body. Call me as soon as you get this message. Ah, donc Madison, elle essaye de prendre mon corps. Ok, elle aime. Elle essaye de piquer mon corps. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Hein. Attends, mais qu'est-ce que je dois faire, là? Madison, elle a... Elle est en roue libre, la meuf. Hein. La chambre de grand-mère. Ok. Oh, les cafards! Les cafards! Ah, quand il y a cafard, il y a... Oh! Ah, mais je peux rien utiliser. Oh, le marteau, un petit coup... Une clé? C'est la clé de quoi? Basement? Oh, trop content! La clé du sous-sol. Trop bien. Ah, on est content. Ça va nous péter à la gueule. Ah, ça va nous péter à la gueule, c'est sûr. Ah, putain, je suis pas bien. Oh. Oh non. Oh non. Ah, c'est bon. J'ai cru que j'avais crash. Ça va me péter dessus. Oh, le basement, là. La bonne petite clé du basement. The crowbar is in the basement. Ah, crowbar, c'est ce qu'il me faudrait pour ouvrir les... What the hell is this place? Attends, je vois rien. Attends, ça m'air la porte là. Oh là. Est-ce que c'est dès que je boue? Oh là là. Est-ce que je dois trouver la crowbar sur un de ces trucs? C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être... Je dois... Oh là là, je vais me faire becter, moi. Je vais me faire becter, je te le dis. Bouge. Bouge-moi cette merde d'ampoule, là, allez! Oh là là. Oh, là! Je l'ai!
Ah putain. Oh là là. Oh elle est là, elle est là, elle est là. Oh bah c'est sûr elle est là. Je prends dans le coup, tu vas pouvoir faire la Marie. Sainte Martine, si tu es parmi nous, montre-toi. Ah. Apparemment pas. Oh elle est là, c'est sûr elle est là. La porte, hein, je l'ai dit, hein. C'était sûr qu'elle était là. Je vais faire un malaise. Appelez les secours. Elle est là, elle est dans le tas, la moche. Elle est dans le tas, la dégueulasse. Oh là. Et faites-moi sortir de là, s'il vous plaît. Cette femme, on sait pas ce que c'est, hein. Moi, j'appelle ça la Médéros, hein, pour ceux qui connaissent. Rec, c'est la Médéros, hein. Elle est horrible. Avec la crowbar, qu'est-ce que je pouvais... Déjà, la chambre de ma vie. Il y avait un autre truc qui était... qu'on pouvait ouvrir, non? Il y avait pas un autre truc qu'on pouvait ouvrir? Ah, mais merde, qu'est-ce que je fais, moi? Ah, c'est là. Ah, le grenier. Bien, wesh. Il n'y a plus les cafards là. Dans la salle de bain, c'est vrai qu'il y avait un truc. Je sais pas si je peux l'ouvrir avec ça, on verra. Oh. Ah la bague. On va aller au grenier. Oh, j'ai trop peur. Hein. Oh. Ça y est. Ça y est. Il a mal aux yeux. Ses yeux brûlent. Oh putain, voilà, ça c'est pas bon, mon gars. I need to get out of this fucking house. Mais sortir de cette putain de maison depuis. Attends. Attends, on va faire dans l'ordre. Merde, j'ai passé, c'était quoi? Un œil? Oh merde. Crowbar, ça fait de mal à personne. En dessin, mais je sais pas ce que c'était. Ok. Oh, il y a une cassette. Si vous trouvez ça, ne l'écoutez pas. Ah, c'est que je suis full. Ah, mais cette pelle de merde là, on peut la ranger ou pas? Il y a pas de rangement ici? Ah ouais, attends. Bon bah attends, on peut pas écouter la cassette maintenant, faut que j'aille déposer le truc. Je suis fou là. Oh mais les gars, je suis tendue sans déconner, mais pire qu'une arbalète, hein. Je vous le dis, hein. Oh là, je suis pas bien. J'ai envie de plisser les yeux constamment, sans déconner. Moi ça me va très bien. Genre juste plisser les yeux constamment, je suis contente. Vous imaginez pas. Non, c'est pas là. C'est où le coffre? C'est là. Ok, on va stocker des trucs parce que là, c'est trop... Stocker. Bah, le crâne, on va le garder. L'alliance, on va la garder. La pelle, hein. La pelle, je sais pas quoi en foutre. Hein. Ça dégage. Comment je suis pas bien. On va retourner au grenier. En fait, j'ai genre... Je perds mes mots, j'arrive plus à parler. En fait, le jeu, il est hyper anxiogène. Les graphismes sont trop bien foutus. C'est des graphismes à la Visage, Pity. C'est hyper dynamique. Le monstre, il est dégueulasse. Voir ton carnet photo, on va regarder. Ça se voit à mon rythme cardiaque que je ne mens pas. Ah, c'est ça. Je ne me souviens pas les avoir dessinés. C'est quoi? C'est un œil, hein? Ah oui, c'est un œil, hein. Suis-je en train de devenir fou? Ah, c'est une chaise!
Un œil et une chaise. Alors pourquoi une chaise? Bon, on va écouter la cassette. Hein. Allons écouter ça. Hein. Ah, la chaise! La chaise de, où il y a le truc pour se pendre au-dessus. C'est peut-être ça. Attendez, on va aller voir. C'est peut-être ça. Eh ben attendez, on va aller voir avant de mettre la cassette. Parce que la cassette, je pense que ça va actionner une suite là. Je pense. C'est pas là. Hop. Bonsoir. Oh la clé. Je porte déjà trop d'objets. Mais qu'est-ce que je peux mettre dessus? Interagir. Rituel d'échange de corps. Un objet à valeur sentimentale. 7 sacrifices. 2 corps. Un invité et un hôte. Cendre humaine. Il y a un ordre ou pas? Oh merde. Il va y avoir un ordre. À tous les coups, il va y avoir un ordre. Bon. On verra pour l'ordre plus tard. Il manque encore 2 éléments, c'est ça? Oh oui. Merci Emile pour ton 4e mois d'abonnement. Ah, je peux pas. Ok, bon bah il manque 2 éléments. J'ai la clé. Bon, on va aller déjà écouter. On va déjà aller écouter la cassette, même si j'ai très envie d'aller là-bas. Écoutons la cassette avant. De toute façon, ça va... Ah, c'est pas là. Ça va me débloquer une dinguerie, ça se trouve. Ça va me débloquer un slot, surtout. Je vais être contente. I'll end up losing my mind. Tu m'étonnes. I cannot trust anyone. Tu sais que la cassette, c'était écrit ne pas écouter. C'était écrit ne pas écouter. If you are listening to this, Blue Knees. Blue Knees est réel. Blue Knees, c'est ce qui était écrit à l'arrière du miroir dans la salle de bain. I know I don't have much time left. That fucking thing. I can feel it breathing. Oh non. Right behind me. Singing that fucking song. J'entends cette putain de chanson. Over, encore et encore over, et encore et toujours dans ma tête. And over in my head. Merci Darkstar pour les 1500 bits, c'est très gentil. Blue Knees is behind. Le coup c'est derrière, le tournoi. Moi je me sens pas bien. For so long. All alone. Where he belongs. Du coup, on va se mettre un peu de quête blush, ça va lui. Merci d'avoir fait pour les 600 bits. Behind and we'll find what he has been looking for. Ah, je me sens pas bien. Attends, vous m'avez dit de prendre les boîtes. Où il a écrit cette chanson. Juste pour toi. Il y a celle-là. Celle-là. Est-ce que je peux ranger votre cassette? C'est quoi cette merde? Par contre, sans déconner, s'il y a un bail de monstre encore pire que la Medeiros, moi je peux plus. Hein. Moi je vous le dis, je ne peux plus. Hein. Attends, parce qu'en fait là je serais full inventaire apparemment. Mais attends, peut-être que les boîtes on peut les ranger aussi. Est-ce que les boîtes, on peut pas les mettre? Oh, ça serait le feu. Si on peut les mettre, ça me vide 2 slots. Oh! Mais très bien. Eh ben tiens, l'autre boîte avec. Ah, je pense que je devrais d'abord l'ouvrir. Ah, mais celle-là, je peux pas l'ouvrir, je me rappelle. Ah, celle-là, c'est la merde. Ça, c'est la boîte de Madison, mais je peux pas l'ouvrir. Elles pissent le sang, les statues. Elles saignent des yeux. J'avais pas vu. Oh là là! Bon, je vais ouvrir la porte.
Ah, je me sens pas bien. Je vais l'ouvrir avec ça. Mais déjà, ça va me faire un slot de moins. Oh là là. This is from Grandma's diary. Le 15 juin 1972. Je déteste quand Albert passe la nuit à travailler. Dès qu'il commence à faire noir, c'est comme si le monde tournait en sens inverse. Il y a des grincements dans toute la maison et la maison... Je sais que ma vision se détériore, mais hier, je me suis perdue dans ma propre maison. Et c'était pas à cause de ma vue. Les pièces se déplacent. J'arrivais même pas à trouver ma propre chambre. Nous ne sommes plus en sécurité ici. Plus maintenant. Pas avec cette chose qui vit parmi nous. Le 16 juin 1972. Albert s'est mis en colère contre moi car j'allumais des bougies dans toute la maison. Mais pour une raison que j'ignore, je pense que la lumière nous protège. Oh non. Mais attends, grand-mère, elle était pas si folle que ça. Hein. Pour moi, vous savez que moi je la crois. Hein. Pour moi, il y a une bestiole. Hein. Ah. Oh, presque. Et du coup, off. Ok. Moi, je la crois de ouf, hein. Les trois on. On, on, off, on. Et tu veux que je mette quoi là-dedans? Ah, la boîte! Let's go! C'est quoi? Ah, bah la boîte, du coup, je peux examiner, ça y est! Je vois rien. Il doit s'agir des victimes de Madison qui voit que dalle. Là, je pense que c'est pas plus mal. Hein. Ça m'a l'air bien glauque ça. Et ben ça y est, on a les quatre trucs. Mais comment on va connaître l'ordre? Non, la porte s'est refermée toute seule. Mais. Ah putain, sa mère la porte, hein. J'en ai marre. Hein. Mais comment on va connaître l'ordre? Attends, attends, attends. Déjà, je vais placer ça parce que ça se trouve, il n'y a pas d'ordre. Ça va très bien se passer. Bon, il y a un ordre. Et merde. Interagir. Un objet de valeur sentimentale. Moi, pour moi, c'est la bague. Ah, mais c'est dans quel sens qu'il faut regarder? C'est bon. Eh ben ça y est, je veux clamser. Adieu. Ah. Et merde. Bon, si c'est pour les calendriers, on n'est pas intéressé, hein. Non, foutez-moi la paix sans déconner. Allez vous faire foutre, hein. Oh, je vais me faire buter. Oh, c'est glauque sa mère la porte. Hein. Comment trouve cette porte de merde? Non, c'est pas possible, y'a un truc que je fais pas. Qu'est-ce que je fais mal? Il y a un truc que je fais mal. La petite porte. Je dois trouver le code à 4 chiffres pour ouvrir cette porte. Il doit se trouver quelque part. Oh là là. Ok, le code à 4 chiffres. Mais ouais, j'avoue qu'il y a des chiffres partout. Va trouver un chiffre, toi. Mais attends, il me demande de trouver... De trouver le code, tu veux que je trouve où le code? Attends, je suis pas bien. Là, j'ai un coup de stress. Je suis pas bien là. Oh, je suis pas bien. Oh. Comment je trouve le code? T'es passé à côté d'une cassette, il y a une cassette. C'est pas vrai. Où ça?
Et merde. Je suis tellement stressée, les gars. C'est fou. Attendez, elle est où la cassette? Ah là, non. Elle est où? Sur la fenêtre. Oh bien, ouais. Hashtag 3. Eh ben nickel, on va l'écouter. On a que ça à foutre de toute façon. Oh, je suis pas bien. C'est que je me dis qu'en fait, ça se trouve, ben, y a pas que ça quoi qui va nous faire flipper dans le jeu. C'est la bonne cassette que j'ai mis? C'est pas la bonne? Attends. Reprends là, j'ai pas mis la bonne cassette. C'est la hashtag 3, voilà. John, I must stress to you how dangerous these demons really are. I've witnessed a few exorcisms in my time. Not everyone lived to tell the tale. These beings are not alive, and that makes them stronger than us. Oh là là. Entertain themselves with us. They enjoy our fear, causing us pain, and they feed off of it. It gives them power, gives them strength. When one of them becomes attached to one of us, it's all but impossible to stop. They play with our bodies and minds until they find what they were looking for. Is attached to the camera? They're no longer human. Attached to me? Mais attends, balance l'appareil photo en fait. Est-ce que c'est pas la solution de jeter l'appareil photo par la fenêtre? Seek help. I'll investigate that woman you told me about, Madison Hale, and I'll get back to you as soon as I find something. Est-ce que la solution n'est pas de balancer l'appareil photo par la fenêtre? Get rid of that camera as soon as you get this message, but please, please do be careful. If your child has already had contact with this entity, his life, yours, and your family's are in jeopardy. Chanel. What have I done? Est-ce que t'as récupéré la pièce? I la scie dans la boîte? Oh non. Oh non. It burns. Mais lui, il va crever. My body hurts. Oh. Oh là là, oh là là. Horns? Des cornes. La scie. Il y a un truc que j'ai raté? Il parle de cornes, le mec. Tu sais qu'il y, y aurait... Ah oui, ça, j'ai... La scie, oui, j'ai vu. Ce truc-là, oui. Il y a autre chose que j'ai pas vu. Des cornes, des cornes, des cornes. Il y a l'espèce de Wendigo, là, au-dessus de la table. Enfin, au-dessus de la table, pardon, au-dessus du meuble télé. Qui a une solution pour enlever sans passe un tic? Ah, les... Quelqu'un a une solution dans le chat ou pas? Parce que les tics, c'est des saloperies, ça. Il y a une pince au-dessus. Mais non. Attendez. Quelqu'un a une solution pour enlever les tics sans passe un tic dans le chat ou pas? Si vous pouvez filer le tips. S'il vous plaît. Parce que c'est vrai que les tics, c'est des saloperies, ça. Si on peut s'entraider sur les trucs comme ça. Tu sais que vous voyez une pince. Oh, oh ouais. Mais je suis... Oh, je crois que j'ai vu quelque chose comme ça dans la maison. Eh bah les... Bah oui. Eh ben... Oh bah ça, je ouvre la toilette avec ça. Les cordes, dans ce cas-là, c'est au-dessus de la... du meuble télé. Oh là là. Pince à épiler, vous dites? Ah ouais. Bon, les chiottes, les chiottes, les chiottes. Vas-y, ouvre-moi ça. D'autres notes, je vous en sais écrire. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Hop! How many times do I have to tell you there's nobody in this house? Al? I'm done with your bullshit. Albert, listen to me. Just a book! A fucking book, oh là Elizabeth. Là.
see? There's no one here. It doesn't exist. It's not real, goddammit. I know. Everything that's happening to me has something to do with it. I just know it. It's a disease, Elizabeth. You are sick, for the Lord's sake. Not... Mais en fait, elle avait grave raison, la pauvre. You don't cut the crap. That book has nothing to do with your illness. I wish you stopped acting like a child. Stop hiding our stuff and take your goddamn pills. Jesus! Do you think it's normal? Do you think pupils vanish like dust? I'm telling you that fucking thing is what's causing this for me! Enough, Elizabeth! Stop acting like a 10-year-old and go to bed! Albert! Everything started the day we brought that fucking book. Ah, donc tout a commencé avec un livre. Oh, mais c'est horrible. Ah, elle a pris le gamin. We are not staying here. Wait a minute. This is too much. You're paranoid, Ellie. It's 4 a.m. Go back to bed before we wake up John. Come on. We can talk about this. You're gonna regret this. You'll end up all alone. Just you and your stupid fucking clock. Oh là là. Allez. Ah là là. Je vais prendre Tarif et sa mère la porte. Ah oh bah tiens, quand je lis ça. Right. Ah oui, c'est ça. La combinaison 8 à droite, là. Notez. Ah, je me sens pas bien. Les cornes. C'est ça, les cornes, là. Ah non, bah j'aurais cru. Ah merde. Ah bah alors là, je... Bah si, il y a les cafards autour. Ah. Maintenant, je fais quoi? Je dois peut-être... Non. Fuck. I can't feel my fingers. Il est pas bien, le mec, hein. What is happening to my body? Ouvrir le carnet. Une ampoule. Je ne sens pas... Une ampoule rouge. Bah la pièce rouge. Il y avait une lumière rouge, mais tout était sombre. La pièce rouge. La pièce avec Nala. Ouais, j'ai vu des gens parler de pince à épiler dans le chat. C'est pas une bonne idée, la pince à épiler, je trouve. Ouais, là, c'est une connerie, là. Attends. Moi, j'aurais cru que c'était ça. Merde, j'ai cru que c'était ça. C'est comme ça, c'est quoi? C'est un poids? Bloc de béton. Coupe le courant. Mais vous êtes des ouf, pourquoi vous voulez que je coupe le courant? Le générateur au sous-sol. Putain. Mais j'ai pas envie. Mais pourquoi? Tu peux utiliser la pince sur un meuble de la cuisine. Vas-y, on va le faire. Oh là là, je vais tomber sur... La Medeiros, là, je vais gueuler. Je vais rien comprendre à ma vie. Je vais plus savoir comment je m'appelle dans 2 secondes. Là, je le sens. Putain, vous êtes des ouf, hein. Coupe le courant. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Putain, la chaise. Tout ça pour cette merde, un collectible ? Mais non. 7 sur 8. La pince, j'en aurais plus l'utilité là? Parce que je vais la ranger si j'en ai plus l'utilité. Je
Je vais tout de suite ranger la pince, hein. Les gars, j'ai mal au crâne tellement je bouge les yeux. Stocker. Je devrais garder ça. Chier, je peux pas stocker les photos. Bon là, du coup, je dois... Oh là là, j'ai le seum. Là, je dois couper le courant, du coup. Je suis contente. Ah ouais, il te propose de jeter les photos inutiles ? Ah ouais. J'en ai pris 10 000. Oh, 8 ! J'en ai pris 158, hein. Non mais j'en ai pris 10 000, les gars. Je vais pas tout regarder. J'ai eu un succès déjà pour avoir pris 100 photos. Vendredi. Ah putain. Oh putain. Et là je vais où? Ah ça, je suis pas bien. The doorbell. I gotta get to the front door. Oh là là. Bon, je sais pas où je dois aller, mais je suis en panique. Oh là là. Les gars, j'ai envie d'enlever le casque. Hein. Je ne pourrais pas revenir en arrière. Le chiffre 8 dans les photos de Hawa. Attendez, je me chie dessus là. Attendez, ça va pas. Sa mère, la grosse truie. Attends, moi je... Ah, sa mère, la truie. Ah, putain. Ah, là, ça va pas, hein. Ça va pas. Ah, putain. Tu veux que j'aille où, là? Je dois aller où là? Je sais plus. Moi je... J'ai plus aucune notion du temps. Il était où le piano? J'en peux plus là, ça sonne dans tout... Le vidéoprojecteur, ok. Je vois où c'est. Oh putain, mais dégage! Grosse morue, va te faire liposucer, nous fais pas chier, va! Dégueulasse! Comment ça me faire chier celle-là, hein, sans déconner? Putain, mais je veux pas... Ah, j'en ai rien à foutre. Ah, j'en ai rien à foutre d'avoir une tête de glandu. Oh, putain, je suis pas bien. Non, je suis pas bien. Attendez. Merde, c'est moi qui ai fait retour. Attendez, parce que là, je suis dans tous mes états.
She's playing with my mind. She simply took the photos there to normalize the events. Oh, le nombre d'étages. On va la voir, c'est sûr, on va la voir. Attendez, j'ai un pop-up d'Epic Games. C'est quoi, c'est genre juste prendre des photos comme ça, je me barre, moi ça me va très bien. Ah oh bah si c'est ça, moi ça me va très bien. Oh putain. Oh, je me sens pas bien. Excusez-moi pour les propos un petit peu violents que j'ai souvent tendance à tenir. Appuie. Ah, c'est horrible, ce jeu est horrible. Oh putain. Adieu. Oh non. On va appeler sur SD Palace peut-être, non? Ah, y'a un truc en face. Bon? Il y a plein de... Oh non, j'ai peut-être mal fait. Oh mais ouais, parce que quand tu fais les... Oh merde. Oh, j'ai peut-être mal fait. C'est quoi? Peut-être que je peux casser le mur avec quelque chose. Le marteau, c'est bien pour casser un marteau. Oh, j'ai peut-être fait une connerie du coup. Le pilier bouge. Oh non. Eh ben du coup j'ai peut-être mal fait. Fallait que ça nous arrive. Oh putain, elle va pas nous lâcher celle-là. Elle nous lâchera pas. Elle va s'accrocher jusqu'à la fin, la dégueulasse. Hein. Commence à me faire chier celle-là. Comment ça, toi? Comment ça? Ouais, ça sent la merde, ça, un peu, non? Oh, je peux redescendre. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Donc, il y a un truc que j'ai mal fait? Oh, merde. Merde! Il faut qu'on retourne au premier. Tu vas au premier, tu écoutes la radio. On dit quel âge a la victime et tu prends en photo la personne correspondante. Tout ça, c'est ça. C'est ça, vous avez raison. Elle a mutilé son corps de telle manière que son visage était reconnu. Robert Hale. Mais c'est Madison Hale, non? Donc c'est Robert. Voilà. Le 2 maintenant. Ok, on avance. La femme a fini par mourir en se vidant de son sang. Madison a continué de mutiler le corps pendant plusieurs heures avant de s'en débarrasser. Je me sens pas bien. Hein. Sa mère l'a tué. Était sa mère. Ah bah voilà. Donc sa mère, elle est là.
elle dit ça, c'est une barge. Elle a fait des dingueries. Elle va repasser là, je crois que c'est au troisième étage qu'on la voit. Comment je suis pas bien, les gars. Un homme âgé de 27 ans. Madison a frappé sa... 27 ans. 1909, 98, ça fait pas 27, ça en est d'accord. Je suis à étage combien? Non mais c'est horrible, l'histoire elle est horrible. Les voisins ont vitré le corps à l'intérieur de la maison. Non, mais ah mais là il y a un... découpé en 13 morceaux. Elle avait quel âge? 35 ans, la dernière victime. Ah, mais du coup, 35 ans, ça peut être qui? Il n'y a pas d'âge. C'est une femme. C'est une femme, non? Lynn. Ashley. Ah, mais c'est qui entre Lynn et Ashley? C'est qui? Merde, c'est qui du coup? Lynn? Ashley. Non, on sait pas du coup. Merde. Femme âgée de 35 ans. Lynn. On va essayer Lynn, hein, mais... Là, c'est Ashley. Madison stabbed her at her own front door. Neighbors witnessed her dragging the body into the house and notified the police. The woman's body was found unrecognizable in more than... On va savoir recommencer. On va voir. Oh là là, je suis pas bien. Le jeu, il te met dans un état de stress. C'est... enfin... oh, j'espère que c'est bon. There are no numbers on this one. Il n'y a pas de chiffres sur celui-ci. Oh, c'est bon. On l'a. Une clé horloge. Oh bah c'est la clé de la maison, vous savez, avec l'horloge là. Bon, j'espère. On va se prendre l'autre. Oh, il y a l'autre qui va arriver. Elle va nous sauter dessus. Elle va nous charger. Ah, c'est sûr, voilà, voilà, on va se faire charger, c'est sûr. La gueuse est là. Ah, c'est sûr, préparez-vous à prendre tarif. Hein. Je préfère vous le dire. Ah non, mais la photo rouge, c'est pas grave. Franchement, je vais vous dire, j'ai d'autres priorités. Genre survivre. C'est horrible. Non, non, mais survivre, c'est très bien. Oh putain. On va prendre tarif, hein. Préparez-vous, préparez-vous. Oh putain. Oh putain, la moche. Oh la vache. Oh. Ah mais rallumez les lumières, bande de cons. Je vais où là? Bon, elle est là. Elle m'attend. Elle me veut, hein. Espèce de morue, va. Elle va me fumer. C'est sûr. Oh putain.
pas bien. Les gars, je ne suis pas bien. Elle est là. Mais putain, mais dégage, ben. Je suis bloquée. Ah non, je suis pas bloquée. Il y a une sauvegarde. Oh, je peux plus, je peux plus, je peux plus. Ah putain, elle me fait... Elle me fout les boules. On peut rallumer le disjoncteur ou pas? Je vais rallumer le disjoncteur, j'en ai rien à foutre. Rallume, rallume, rallume. Il n'est pas nécessaire de couper le courant pour le moment. C'est bon? Allez, ouvre-moi ta porte de merde là. J'en peux plus moi. C'est quoi ça? God. Ça sent pas bien le mec. Hein. My body. C'est que des horloges ça. My hands. Mais il va canner, on va se taper une bad ending. What the priest was talking about. That thing is... Cette chose se nourrit de moi. Thing is feeding off of me. Ouvrir le carnet. TikTok. Ah, en parlant de TikTok, j'ai posté un nouveau TikTok aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir. The house is full of clocks. Attends, la maison est pleine d'horloges, mais il y avait des heures là. Attends, il y avait une heure, il y avait une heure. Est-ce que c'est une heure bien précise du coup? Attends, me dis pas que c'est avec toutes les horloges de la maison, parce que je vais péter une pilasse. Hein. Genre midi 25, quoi. C'est verrouillé. Grand-père avait l'habitude de travailler ici. Mais non. Ah non. Ah mais non. Oh putain. Mais non. Donc il y a des heures différentes. Est-ce qu'il faut que je m'accorde sur les heures qu'il y a là? Là, il faut qu'il soit genre 16h. Et des brouettes. Là, midi et des brouettes. Mais non. Ah, pas ça, hein. Ah, tout mais pas ça, hein. Ah. Ouvre le tiroir. Oh non, j'ai rangé ma passe coupante. Oh la merde. Oh mais moi j'ai pas envie de croiser la gueuse hein. Mais c'est sûr elle va être là. Elle va être là la dégueulasse. Mais là faut qu'on retienne toutes les heures. Ah putain mais j'y vais pas moi. Va te faire foutre va dégueulasse. Démerde-toi. Démerde-toi. C'est bon j'en ai plein de cul au bout d'un moment. Chier. Toujours les mêmes qui subissent. Ah, la pince. Ah, attends, je vais stocker moi. Il y a une cassette. Attends, je crois que j'avais une cassette, je vais la stocker. Ah non? J'étais persuadée que j'avais une cassette. Ah non, mais c'était dans mon. Non, mais là, ça va pas, hein. Oh oh, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Arrêtez là! Mais merde! À la fin! Les mecs, ils me font vriller. Excusez-moi. Un peu tendu en ce moment. Pourquoi j'entends plus Kiki? C'est le stress. Combinaison. Oh non. Oh la fameuse combi. 9. Et 11. Oh putain. La fameuse combinaison. 9 à gauche. Et c'est quoi 11 à droite? Mais ça, comment je me démerde avec ça, moi?
Faut que j'aille au coffre là, non? Question, pourquoi on ne prend pas juste la porte d'entrée pour partir? Alors, question en toute honnêteté, hein, moi j'aurais pris la porte d'entrée depuis bien longtemps. Mais mon perso est con. Mais... Enfin, je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas. 11. Right. Ah, c'est ça, 11. Right et 8 left. Quelqu'un peut noter? Donc on a toute la combinaison là. Donc là, on va aller ouvrir le coffre. Putain, j'ai eu de la latence. Oh, mon cerveau, il a eu de la latence. Il supporte plus ce qui est en train de se passer, là. Oh, je supporte plus, moi, tout ça. Donc là, c'est quoi? 9, 11, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, je retourne au point 0? Ou pas? Est-ce que je retourne au point 0, là, ou pas? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bravo. Bravo les gars. Déjà il y a un beau papier. John mon fils, le temps a défilé pour nous et je suis déjà un homme âgé. Je suis si fier de voir l'homme que t'es devenu, si heureux d'avoir pu profiter de mes deux petits-enfants, Lucas et Chanel. Numéro 5. Je t'écris cette lettre afin qu'un jour tu puisses comprendre tout ce qui traverse actuellement mon esprit, mais surtout détruire cette image de vieil homme sénile que l'on m'a alloué. Dieu existe, mais tout comme lui, Satan également. Toute ma vie, j'ai essayé de pas y croire, mais le temps m'a prouvé que je me trompais. Ta mère n'était pas malade. J'ai pas pu m'empêcher, je n'ai pas pu empêcher le sort funeste, le fort funeste qui l'attendait. C'est bien le sort funeste. Aussi farfelu que cela puisse paraître, Blouknise est réel. Mais c'est qui Blouknise? Parce que le monstre horrible là qu'on voit, c'est Madison, c'est pas Blouknise. Oh non. Pas un seul spécialiste n'a été capable d'expliquer, de trouver la cause de son état. Sans parler de l'aider à trouver un traitement afin qu'elle guérisse. J'aimerais tant pouvoir remonter le temps, afin de lui dire je te crois. C'est glauque. J'ai essayé de la contacter pendant plus de 15 ans. Je voulais simplement pouvoir lui parler une dernière fois. Bientôt je la reverrai à nouveau et lui supplierai de me pardonner. Cette solitude me rappelle chaque jour combien il est difficile de vivre sans la personne la plus chère de notre cœur. J'ai au moins la chance de pouvoir contempler son visage dans chaque pièce de cette gigantesque maison. C'est sûr que le mec a mis à peu près 800 cadrans. Concernant le livre, j'ai tenté de le brûler, de le déchirer, de l'enterrer, mais en vain. Il trouve le moyen de revenir à chaque fois. Quoi qu'il en soit, je le conserve désormais en ma possession, sous bonne garde. Je ne laisserai pas l'histoire se répéter. Merci d'être le fils dont j'ai toujours rêvé. Je t'aime, ton père Albert. C'est fini? Ok. Il est quelle heure là-dessus? Il est midi là-dessus, non? Non, il est 11h. Et je... Ah, 7h45. D'accord, ok. Oh putain. Oh. C'est la merde. Hein. C'est la grosse merde. Hein. Il va falloir trouver 7h45, c'est ça? Arrêtez! Moi ça me fait plus rire ces histoires là! Au bout d'un moment, une fois c'est marrant, deux fois tu connais, hein! Ah mais là, comment tu connais? Oh, oh non, va falloir échanger chaque horloge. On est dans la merde. Oh, on est dans la sauce! Ah vas-y, moi je vais plisser les yeux. J'en ai rien à foutre, je vais les plisser comme jamais les gars. Je vais finir avec des rides d'expression à 30 ans. J'en ai 28, donc ça va pas tarder. Mais je pense que ça sera bon. Genre, là, je plisse à mort. J'ai mal. Mais... Putain, j'ai quand même peur, tu le crois, ça? Je plisse comme un cochon, là. Je sais pas si les cochons peuvent plisser les yeux. Oh, putain. Arrêtez! Non, non, non. Oh là là, les gars, les gars, les gars, les gars. C'est trop, c'est trop. Pour mon petit corps, c'est trop. Vas-y, range-moi vite la pince, là. Pour gagner un slot de libre. Stocké. Allez, stocke-moi ta merde, là, qu'on n'en parle plus.
Je sais pas si la crowbar en a besoin ou pas. Oh. En tout cas, les gens se donnent à cœur joie sur le channel screen. N'hésitez pas, oui, bien évidemment, à screener et à faire des clips Twitch que vous pouvez mettre sur le Discord. On va les regarder après. Oh, bon, bien évidemment, bah, on va en profiter, ça serait dommage. Hein. Le grenier, le couloir à droite de la salle de projection. Attends. Le grenier, le couloir à droite de la salle de projection. La salle à manger, le couloir près du portrait. Oh, une fois les bons cadrans associés, une belle horloge dans la salle des horloges, la porte s'ouvrira. La gueule. Ah, mais c'est horrible le nombre de choses en fait. Mais c'est catastrophique. Mais c'est catastrophique. Merci beaucoup Flamme pour ton Prime Gaming. Je plie ça. Oh, je plisse. Putain, le pire c'est que je plisse, mais tu vas voir que quand il va y avoir la Martine, je vais sursauter. Midi. Là. Midi 11, là. On l'avait, celui-là. C'est le midi 11, ça, non? Ah, putain, c'est pas midi 11. Je crois pas. Si? Attends, c'est le bon ou c'est pas le bon? C'est le bon. Je crois que c'est le bon. Ah, mais non, il doit aller là? Oh là là. Attends, c'est la merde. C'est la merde. Parce que là, il est midi 11. Mais peut-être que là, ce mur-là, c'est pas midi 11, en fait. Oh, on est dans la merde. Peut-être que midi 11, il va là. Il est quelle heure, là? 18h40? On a un 18h40? À 18h40. Celui-ci, c'est lui. Je l'espère. C'est pas lui du tout. Oh, oh, comme on est dans la merde. Oh là là, merci Sandrine pour tout ça qui est moi d'abonnement. Bon bah on est dans la merde hein. Accrochez vos ceintures. Ça va être la fête du slip hein. Oh la merde. Bon on a quelle heure ici? Il faut noter, il faut qu'on note parce qu'on est dans la merde. On a... Ici il me faut 20h. Vous notez ou pas? Faut noter. Ici, on a 20... Non, même pas. 19h45. Il faut noter. En étage du bas, 19h45. Ensuite. 16h20. 16h20. Il faut noter. 16h20 sur l'étage du bas. Ah, il faudrait noter les petites horloges qu'on a là. Enfin, là c'est des trucs à récupérer. À récupérer, on a 17h10. On a 17h10 à récupérer en bas. Et du coup, on a 18h40 à récupérer en bas aussi. Si vous notez, vous êtes des craquins. Et moi, sur moi, j'ai quoi? J'ai midi 25. Putain! Ah non, mais... Ah non, ça va pas le faire. S'ils sont tous là, ces abrutis, moi, ça va pas passer. Hein. Putain. Et comment je connais l'heure, là? J'avais cette heure-là ou pas? J'avais cette heure-là ou pas? Ça, c'est l'étage du bas? 16h20, la deuxième, ok, on trace en bas. Oh là là, comme on est dans le mal. Ok, là, 16h20, on y va.
Oh, je pisse. J'ai quoi sur moi? 5h10. Donc là on est bon. J'ai 5h10 sur moi. Il y a celle en mode Vecna là que je dois récupérer, non? A mon avis quand tu mets la bonne heure, il y a le kikui. Ah ouais? Je suis pas bien. Les gars, je plisse tellement les yeux sans déconner. Attends, c'est quoi là? On l'a là 19h45 ou pas? On a 19h45? Ta gueule. Ok, on va aller. 19h45. Merci beaucoup Emma pour ton 4e mois d'abonnement pendant cette séquence énormément stressante pour moi. Oh putain, non mais c'est bon, moi j'en peux plus là. Est-ce qu'il y a juste les pièces du bas à s'occuper, remettre l'heure ou non? Faut remettre l'heure pour tout. C'est elle 19... Ouais. Attends, on a l'heure pour toutes les pièces du bas là. Ah non, faut remettre l'heure pour tout. Ah non, il y en a une là. Merde. C'est quoi? C'est 14... 14h30? Non, 13h30, pardon. 13h30. Il faut qu'on trouve 13h30. Et merde. Bon. Je replisse les yeux, de toute façon c'est un peu une technique légendaire. Faites ça, hein. Vous en avez rien à faire. Les amis, je vous dis quelque chose en toute honnêteté, hein. Il faut rien en avoir à foutre. Quoi? T'as oublié? Comment ça? J'oublie quoi? Il y en a une autre. Oh non. Où ça? Il y a celle-là. Je suis réglée. Celle du petit coin. Oh, celle du petit coin, je suis pas réglée. Oh, celle du petit coin, je suis pas réglée. Mais si, je suis réglée. Pardon. Autant pour moi, excusez-moi, c'est la panique. Bah, c'est celle-là. Derrière, à droite. C'est bon, j'ai tout, sinon. Il manque que elle, non? Je crois qu'il manque que elle, les gars. Il manque que celle-là qui est pas bonne. Celle-là, il me faut 13h30. Je me suis trompée? J'ai oublié une horloge? On va aller chercher la 13h30. Allez. Vous savez où elle est la 13h30? Est-ce que vous avez... Oh putain! Je suis en full panique. Hein. Je. Oh là là. Je sais même plus où je vais. 13h30. Oh là là. Il va manquer laquelle après? Je
comprends pas, elle est où celle qui manque? Oh putain. Let's go. Pour ton abonnement, quand on aime, on ne compte pas. Ça ne fait que 2 mois que je suis tes aventures, mais c'est avec plaisir que je m'abonne pour la 2e fois. Des gros bisous à toi, merci beaucoup. Merci infiniment, Yaya, c'est très gentil. Je suis méga stressée, putain. Quoi, cette merde, une balance? Tu veux que j'aille avec ta balance? Attends. Tu veux que j'aille où? Je vais sortir de la salle, on verra. Les gars, j'ai envie de pisser. J'ai trop peur de me pisser dessus. Ah, ça y est, enfin un malaise. I can't take this anymore. Je peux plus supporter ça, bah tu m'étonnes. I just can't. My whole body is going numb. Why is this happening to me? Vous pensez que c'est ça? Attends, il y a des cafards. Oh, le coffre rouge! Coffre rouge! Attendez. Non, il faut pas mettre le poids. On verra plus tard. C'est la combinaison pour le coffre rouge. Putain, j'ai les yeux plissés. C'est horrible, hein. Vous savez si on approche de la fin du jeu là? Ou pas? Ok. Coffre rouge, faut tout donner. Alors. Oui, ok. Interagir. Donc c'est quoi le bail? Pourquoi est-ce qu'il y a des traits rouges? Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que c'est genre ça? 6? Oh là là. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah mais attends, c'est dans quel sens que tu prends ça? 6 à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. 5 à droite. 6 à gauche, 5 à droite. 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait... 6, 5, 5. Sans mal. Trois, quatre, cinq, six. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Des billets? Oh, c'est la chambre de Johnny. Bah c'est là en fait, la clé de Johnny. Ouf. Attendez, il y a Pearl qui est sur le bureau. Attendez, vas-y, installe-toi mon loulou, parce que là maman... Maman est en pleine game. Oh les poids. Avant c'était la chambre de papa. Pour sauver l'oiseau, le lapin saute en l'air, laissant tous ses amis derrière. Le serpent reste sous le rat, tandis que le requin, dans les profondeurs, ce plan conçu. Oh non. Le requin est dans les profondeurs. Donc le requin, il est très bas. Le serpent reste sous le rat. Le serpent, il est sous le rat, laissant tous ses amis. Le lapin saute en l'air. Le lapin, c'est le plus haut. Oh putain. Attends. Le requin est sous le rat. Attends, le requin est en prof... Oh là là, attends, non, c'est trop.
Le requin dans les profondeurs. Le serpent. C'est pas l'horloge. Le lapin est en l'air. Ah non, le lapin est en l'air. Le lapin n'a rien. Le lapin n'a rien. Il est dans les airs. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Le lapin est en l'air. Et le rat... Hop. C'est peut-être pas... Ah! Ah non, c'est peut-être pas... Que dalle. Faut peut-être inverser ces deux-là. Le serpent est sous le rat. À moins que l'horloge est plus léger. Ah, c'est peut-être l'inverse. Pearl, tu manges pas l'écran de maman, hein. Maman est pas d'accord, hein. Ça marche. Ça marchait. Blouknis. Interagir, c'est donc le livre dont tout le monde parlait. Oh putain. Il y a fort longtemps. Ah pardon, il faut sa mode switcher. Tu fais peur le bousin déjà. Oh déjà le livre. Oh. Oh le livre déjà. Non mais attends, par contre, le mec... Ah si, je lis. Je suis en train de lire. Si vous voulez, je vous lis tout à voix haute. Si vous voulez, excusez-moi, je vous lis tout à voix haute. Il y a... Parce que là, je suis en train de paniquer. Il y a fort longtemps, il y avait une créature dont le nom était inconnu. Souvent aperçu seul, il vivait dans la plus grande solitude. Durant une nuit glaciale, il se sentit si maussade et chagriné qu'il tomba dans un sommeil profond pendant 2 jours entiers. Lors du 3e jour, il se réveilla dans l'obscurité la plus totale. Il avait contracté une maladie oculaire si grave que ses 2 yeux disparurent dans les ténèbres. La créature se glissa alors tant bien que mal hors de son lit. Elle commença à ramper sur le sol, cherchant ses yeux qu'elle pensait avoir simplement perdus. Il glissait et roulait à terre, à tel point que ses genoux devinrent douloureux et bleus. Depuis que ses yeux étaient tombés de leur orbite, ils étaient en réalité devenus poussière. À ce jour, il n'y a toujours pas le moindre indice. Cependant, ce n'est pas une excuse pour mettre fin à la poursuite. À partir de maintenant, méfiez-vous de ses yeux fugaces et assurez-vous d'allumer chaque lumière. Votre propre vue est en jeu, si vous êtes dans l'incapacité de vous échapper. Il a peur de la lumière, utilisez quelque chose qui puisse l'éblouir pour vous protéger. Comment ça? Mais niquez-vous, hein? Comment ça? Oh non. Oh, niquez-vous. Oh oh. Oh. Salut, mon nom c'est Johnny. Pourquoi le chat me dit courage? Bonne chance, mais vous me faites flipper. Pourquoi vous me dites bonne chance dans le chat? Thank you.
Non, moi je me sens pas bien là. Ah, regarde la photo du trou. Ah, ok, autant pour moi. Et là, ça se voit que mes BPM, ils sont en train de péter. Des yeux. Des yeux. Mes BPM, ils sont en train de péter un câble. Oh non. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Oh putain, je peux pas. Oh non. Chanson de merde. Oh putain, c'est l'œil. C'est l'œil. Je fais quoi? Je vais où? Oh putain, c'était où la pièce? Réfléchirez. C'était où? Oh, je sais plus. Ça y est, je sais plus comment je m'appelle. Oh non, le truc, il est horrible. Attends, elle était dans quel pied? C'était quoi la pièce? Jette l'œil dans le trou. Mais oui, mais c'était où? Oh non, putain, c'était où la pièce? Juste derrière toi, à gauche, à côté du salon. Je sais plus. Oh, vers les coffres-forts. Attends, parce que là ça va pas. Là, je suis... là les gars, vous allez vous moquer de moi, mais je m'en fous. Je suis en full panique. Genre, attends, la chambre. Ouais, mais c'est la chambre où c'est écrit Johnny, mais elle est où cette fucking chambre? C'est après la télé? C'est après la télé, non? T'as le canapé? T'as la télé? Et tu passes le couloir, on est obligé de rentrer là-dedans. Je suis en train de trembler. A human eye. The house feels like a maze. I'm sure this is what Grandma was referring to in her diary. Je sais pas où je vais. Je vais à l'inverse là. Quand il arrive, je prends des photos. Non mais je vais à l'inverse. En fait là, je suis en train de... Je vous explique ce qui est en train de se passer. C'est que je suis tellement stressée que là, je suis en train d'aller dans les mauvais sens et tout. Je peux pas sauvegarder. Je peux pas sauvegarder, s'il vous plaît. Oh non. Il est plus près. Ça marche? J'ai l'œil ou pas? Oh, je l'ai. Allez, nique-toi, connard! Je t'emmerde, sac à merde! Sac à merde de merde! Rien à foutre! Pisse à la gueule! Allez, tu l'emmerdes, ce con! Tu l'emmerdes, Makiki, tu l'emmerdes, tu lui chies à la gueule!
c'est que c'est pas là, du coup? C'est pas le bon. Si c'est pas ça, c'est que c'est pas le bon. Ok. Les gars, il est horrible, le mec. Putain, je pense que je le prends mal en photo, hein. Oh, les bruitages, y a rien qui va dans ce jeu de merde. C'est pas le bon ? C'est que c'est pas le bon ? Il est là. Oh, j'ai pris trop tôt. Les connards de merde ! Il me fait peur. Je fais trop tôt. Mais ça fait trop flipper, le truc, il est tout grand et tout. Je vais où? Je vais où? Je vais où maintenant? Le grenier, j'ai pas fait le grenier. Mais y a plus le grenier, putain, qu'est-ce que je suis con. Je l'ai fait ici ou pas? Je sais plus si j'ai fait là. Il y a des cafards, je me dis, est-ce que c'est... C'est pas là. Putain. Pipi de rien du tout. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Je fais quoi? Il prend bien son temps, le mec. Il est trop flippant. La musique, elle est horrible. Je
dans toute la cuisine où il a écrit cette chanson juste pour toi. J'espère que j'ai pas perdu l'œil. Oh, j'espère que j'ai pas perdu l'œil. Trop tôt. Ça m'a stressé. Oh, j'ai l'œil. So grandma wasn't sick at all. Je l'ai. This thing is what really killed her. Oh non. Oh non! Ah non, mais dégage, gros con! Non, il est là, il est là, il est là! Il est là, il est là! On est foutu, hein! Oh, ça va pas, moi je... Ça y est. Oh, je me sens pas bien, je me sens pas bien. Il est là. Il est là, il est là, il est là, le sac à merde. Il va pas bien là, ça va. Oh là, ça tangue fort là. Tu m'étonnes avec ce qu'il a pris le mec. Tu m'étonnes que ça tangue là, y a plus rien qui va. Hein. Allez mon grand. Oh putain. Allez. Ok, je peux pas courir si vous posez la question. Je peux pas aller là non plus. Nickel. Ah non mais par contre là, s'il y a le bloop machin, c'est mort. Hein. Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil photo maintenant. Donc là en fait je subis, c'est tout. Là je suis en train de subir, je suis en train de suivre quelqu'un. C'est qui, c'est Madison que je suis ou ma grand-mère? C'est qui cette personne que je suis en train de suivre? Oh non mais c'est Martine. Oh putain c'est Martine. C'est Martine que je suis en train de suivre. Mais attends. Mais oh là là, mais Martine mais c'est qui Martine dans cette histoire? C'est Madison, c'est Mamie, c'est qui? Oh, il y a tout qui se ferme. Ok, donc là c'est très scénarisé. C'est très couloir, je peux pas. J'imagine ça va se fermer, voilà. Tout est en train de se fermer. C'est qui? C'est pour les calendriers? Je peux toujours pas utiliser l'appareil photo. Je boite de ouf, je pense que là il manque quasi une jambe hein, pour boiter pareil. Bon, bah, c'est bon. Hein. Je sais pas où on est passé. Oh là. Oh là là. Oh putain. C'est ça? Oh c'est ça hein. Ah mais il faut trouver le truc à 4 chiffres. Regarde les chiffres de tes photos. Ah, bah, j'espère que j'ai fait pas mal de photos parce que...
Je me sens pas très bien, je vais pas vous mentir, c'est pas la joie du côté de la joueuse française là. Zéro. J'en ai pris 10 000. Zéro, ça doit être le dernier du coup. Oh, quand il courait. Oh, mais il est horrible. Trois. J'ai le 3. Donc c'est 30 à la fin. Mais c'est un code à 4 chiffres. Oh, j'ai pris 10 000 photos. 5. Donc 530. Il me manque un chiffre. J'ai pris 10 000 photos, les gars. C'est le genre de moment où tu t'en veux énormément. Hein. 800. 8530. Effectivement, c'est un code qu'on n'aurait jamais pu trouver solo, quoi. Je pouvais pas le trouver comme ça, c'est vraiment un code de fin de jeu, quoi. Bon, par contre, ça suffit de défoncer la porte, Martin, parce que, bon, depuis tout à l'heure, tu nous emmerdes. C'est quoi ? Une urne ? C'est quoi ? Elisabeth Maxwell, c'est qui Elisabeth Maxwell ? C'est qui ? Déjà ? Elisabeth Maxwell, c'est qui déjà ? C'est mamie. Ok. Oh. Perso, il se sent pas. Oh là! Bah. Oh, y'a plus l'urne! Oh putain! Attends, je peux peut-être interagir de nouveau avec l'urne? Ouvrir le carnet. Dad, Ed. Son. Le fils pendu. Oh! Mais non! Mais non! Je vais me pendre? Pose l'appareil sur le socle. Ok? Mais non. Donc en fait, le sacrifice, c'est le fils, là. Si je veux tout arrêter, il faut... Non, c'est pas si je veux tout arrêter. En gros, là, le Madison, elle est en train de gagner. Oh, la chaise, elle s'est retournée. Pour que je me pende. Mais Madison, elle est en train de gagner, là. Enfin, le monstre. C'est le rituel, là, finalement. Donc le monstre est en train de gagner. Mais non. Craquer la nuque là.
revenu à la vie? Attends, ça a pris une photo? Le cauchemar est terminé, c'est le succès, je viens de déverrouiller. Donc je suis en vie? Oh let's go, je suis en vie! Oh Martine la grosse chouin, elle est foutue! Oh let's go! Oh let's go! En fait on a déjoué le truc. En fait je pense qu'on a détruit le... Ah non, je suis venue le posséder? Mais non! Ah merde, bah alors pas Martine la grosse chouin. Tu es possédé. Oh, l'angoisse. C'est moi qui suis possédé à la fin ?